Lisa, Yem, Domeba, Bretno. Mulspec, Mopsy, Vombo. C'était Gamer et aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo sur les Sims 4. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau challenge qui s'appelle le Killer Celebrity qui a été créé par Conjureuse. Donc bien sûr je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Et donc j'espère que le petit machinima d'avant vous aura plu, j'ai vraiment adoré le faire. Je me suis trouvé une nouvelle passion dans les Sims, faire des machinima. Je me suis appliquée et tout, donc j'espère qu'il vous aura vraiment plu et que vous aurez surtout compris le machinima. Donc je vais vous raconter un peu son histoire. Ma Sim 7 s'appelle Elodie, elle est jeune adulte et elle habitait dans un appartement à Sanmaishuno. Malheureusement, elle ne payait, ça faisait déjà 3 mois qu'elle ne payait pas son loyer. Et donc le concierge qui s'occupe de l'immeuble avait laissé 3 mois en se disant comme quoi elle allait payer son loyer à force. Mais elle ne l'a jamais payé car elle avait plus de travail, elle avait perdu son travail. Et donc du coup, il a décidé de la mettre à la porte car il ne pouvait plus vivre comme ça en fait, faire en sorte qu'elle ne paye plus. Donc du coup, elle a dû partir avec ses valises et trouver un autre endroit. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée à Del Sol Valley. Voilà, nous sommes à Del Sol Valley sur le terrain. Cercle restreint, c'est le terrain qu'il faut être pendant le challenge, et c'est écrit dans les règles qui sont bien sûr dans la description. Et donc du coup je vais vous expliquer un peu les règles de ce challenge pour que vous compreniez mieux. Donc c'est un challenge où il faut que vous possédiez le pack Heure de Gloire du coup. Vous devrez commencer avec 0 Simfood. Donc les règles sont très simples, il faut que vous commenciez avec une jeune adulte ou un jeune adulte. Il faut que le ou la Sim soit humain, il faut que votre Sim possède les traits caractères ambitieux et imprévisibles. Le troisième trait est libre, donc moi j'ai décidé de la mettre froide niveau amour car j'aimerais bien que voilà qu'elle trouve quelqu'un au fur et à mesure du challenge pour peu qu'elle se retrouve seule. L'aspiration doit être célébrité de renommée mondiale. L'espérance de vie du Sims doit être réglée sur normal. La saison, si vous n'avez pas que saison, il faut qu'on commence le challenge en été. Du coup, il faut que vous vous installiez sur ce terrain. Le cercle restreint 40x40 avec 0 Simfood, comme je l'ai dit juste avant. Il faut que vous fassiez une petite maison délabrée, voilà. Et dedans, vous devez avoir une tente, un évier et un buisson pour faire pipi. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Vous avez le droit à rien d'autre. On peut mettre une petite cheminée. Et donc voilà, du coup, moi, j'ai rajouté ces valises. J'ai mis des toiles d'araignée parce que voilà, c'est un endroit qu'elle a trouvé. Donc voilà. Elle n'a le droit de faire aucun autre job à part acteur. Après, on peut gagner de l'argent, par exemple, en faisant du jardinage, de la pêche. Mais on n'a pas le droit d'être dans un autre métier. Donc on peut prendre une guitare, aller jouer de la guitare, par exemple dans les bars ou quoi. À chaque promotion, on devra séquestrer un collègue à nous et le tuer. Et nous devons tuer comme ça 10 personnes jusqu'à la fin du challenge. À chaque promotion, donc dans un métier, il y a 10 promotions. Et à chaque promotion, on doit tuer un Sims avec différentes morts. Donc par exemple, le premier sera mort noyé, le deuxième mort de faim, etc. etc. Et bien sûr, quand la personne est morte, vous récupérerez l'argent du foyer, sauf si il habite avec d'autres personnes. S'il habite avec d'autres personnes, vous ne récupérez pas l'argent. Sinon, vous pourrez récupérer l'argent. Aucun code de triche n'est accepté, sauf le code bb.moveobject. Les modes modifiant le gameplay sont interdits. Et donc, les conditions pour réussir le challenge, c'est accomplir l'aspiration célébrité de renommée mondiale, avoir atteint le niveau 10 des compétences jeu d'acteur, charisme, comédie et production des médias.
Il faut avoir une réputation extraordinaire et être une célébrité de 5 étoiles, superstar mondiale. Il faut avoir tué au moins 10 Sims. Et le challenge est perdu si une règle n'a pas été respectée et ou que votre Sim meurt. Donc voilà, donc bien sûr, comme je vous l'ai dit avant, les règles sont dans la description. Et donc on va commencer le challenge. J'avais trop envie de le commencer, je me retenais. Je me suis dit non Théo, allez, faut que tu finisses le challenge place du marché et tu pourras après commencer le Killer Celebrity. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ce challenge, je vous le mets dans le petit i. Et donc, let's go, ça y est, c'est le moment, on commence. Alors déjà pour commencer, on va se lancer dans une carrière. Donc elle va être actrice. Hop. Et nous allons aller dans, je sais pas moi, celle-ci, elle a l'air plus professionnelle. Donc, consulter les auditions disponibles. Ah oui. C'est vrai qu'il faut consulter les auditions. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué avec ce gameplay. Du coup, je vais le redécouvrir. Du coup, je trouve ça trop cool. Alors, en avant, la musique ou publicité mousse salée. Alors, niveau 2 de la compétence charisme, niveau 2 de la compétence guitare. On a 0 simple, donc je pense que je vais prendre niveau 2 de la compétence charisme. On ira voir notre voisine Vanessa, du coup. Alors, hop, voilà. Donc, commence à 9h mardi. Ok, très bien. Et bah, c'est parfait. Donc, du coup, là, elle a faim. Oh, regardez, il y a de la nourriture. Oh, mais c'est trop bien, ils ont fait de la nourriture. Assieds-toi là et tu vas te présenter amicalement. Il n'y a pas chaleureusement? Non, voilà. Allez, va te présenter à eux. Hop, complimenter sincèrement. Voilà, on va discuter avec eux, on va essayer d'augmenter notre compétence charisme. Ça augmente assez vite quand même. Hein. Comme vous pouvez le voir, on est déjà à plus de la moitié. Donc Vanessa, on verra si elle vient nous accueillir dans notre maison ou non, du coup. Est-ce que on a des citronniers ou quoi? C'est quoi ça? Buisson de marguerite sauvage. Citronnier. Ok, donc là, il y a des citrons qui vont pousser. Bon, bah écoutez, on va attendre que ça pousse pour pouvoir planter et surtout pouvoir se nourrir. Ça y est, elle est passée niveau 2 de la compétence charisme. Ok, donc Elodie est fatiguée, du coup elle va aller dormir, voilà. Dans sa petite tente, tac. Et on verra demain ce qu'on va faire. Allez, va récolter les citrons. Est-ce que les marguerites, elles ont poussé? Non. Allez, va creuser un peu tout ce qu'il y a ici. Fais-toi un peu de thunes, là. On en a besoin. Hop. Voilà, on va en garder 3 quand même. Ok, 120 simflouz. Ça là coûte 70, on va tenter de l'ouvrir. Voilà, 75. Extraire fossile. Bon, franchement, on commence bien. Allez, va planter ça là. Et après tu vas faire pipi. S'il te plaît, on a besoin de toi. Je sais que c'est compliqué, mais bon, tu peux le faire. Oh là là, elle pue. Va falloir qu'on aille vraiment dans un bar là pour se brosser les dents et tout pour que ça passe plus vite. Ok, du coup on arrive au bar Les Orchidées et on va tout de suite aller dans la salle de bain car si on veut être une star renommée mondiale, faut pas qu'on ait mauvaise impression. Donc où est-elle? Hop, ici. Et donc tu vas te laver les mains, te laver les dents, te laver les mains, te laver les dents. Du coup là on a Octavia Moon, donc on va aller tenter de se présenter à elle. Voilà. Salut Octavia Moon, j'ai adoré ton film. Alors, ça a fonctionné. Est-ce qu'on l'a de nos amis? Ah non. Oh, on a Vanessa. Oh, on est en mauvais terme avec Vanessa. Ok, génial, merci. Oh non, ça s'est mal passé. Oh, elle se prend un câlin. Oh, elle est vraiment sympa, Octavia. On va demander un autographe. Oh, elle est sérieuse. D'où tu nous refuses un autographe alors qu'on prend une photo, en fait? On l'a saoulée, elle est partie se coucher. Bon, on est revenu à la maison, au cercle restreint. Et Elodie, elle est déçue. Du coup, elle a décidé de rentrer. Ils ont pas voulu lui faire d'autographe. Du coup, je pense qu'elle va se défouler en marchant sur la poussière, la peluche de poussière, et après elle ira dormir. Car elle voulait vraiment avoir un autographe d'eux pour pouvoir les accrocher, car elle aimerait bien faire une collection. Donc voilà, du coup, elle va aller dormir. Ok, du coup, Elodie vient de se réveiller, et je me suis rendu compte qu'on avait déjà un évier. D'ailleurs, elle va aller faire pipi. Et donc, je me suis rendu compte qu'on avait un évier, et donc, du coup, on aurait pu se laver ici, en fait, tout simplement. On n'était pas obligé d'aller au bar, mais on aura tenté notre chance pour rencontrer les célébrités. Hop. Les chrysanthèmes. Ok, du coup, elle a juste le temps de manger quelques citrons avant de partir à l'audition. Allez, 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 mange ton citron, là. Voilà, et là, elle va partir à son audition et on va voir si elle va être prise pour tourner la publicité de mousse salée. Audition réussie. Félicitations, Elodie. Vous avez obtenu le rôle de porte-parole des pirates. Les algorithmes de placement ont prédit avec succès que vous passeriez facilement pour une humaine violente et négligée,
maîtrisant à peine sa propre langue. Oh yeah! Donc, pour ça, on doit développer la compétence jeu d'acteur et développer la compétence charisme. Ok. Ok, du coup, je vais acheter un miroir et donc elle va s'entraîner à jouer. Hop. Là, pour le moment, ça va, elle est bien. Elle a mangé à son audition. Ok, du coup, elle a acquis la compétence jeu d'acteur. Hop, niveau 1. Et là, elle est à 50%. Ça y est, la compétence jeu d'acteur, c'est bon. Du coup, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup revoir Vanessa. Parce qu'on est en mauvaise relation et je pense que ça doit la ronger en elle de pas aller s'excuser. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Et je sais pas pourquoi ils sont comme ça, donc on va aller voir ça. Ok, on est arrivé chez Vanessa Jung. Ah oui, d'ailleurs, les tenues, j'ai oublié de vous les montrer. Mais du coup, je pense que pareil, comme le challenge Place du Marché, vous allez les découvrir en fonction. Du coup, là, c'est une petite tenue de temps chaud. Je la trouvais vraiment trop cute avec le petit haut rose, la petite jupe blanche et les petites chaussures compensées. Du coup, voilà. Alors, on va aller. D'accord, bah, on peut rentrer, même pas besoin de toquer. On rentre chez elle au calme et on tente de se présenter. Ah yes, elle nous accepte. Vedette débutante. On va essayer d'être gentil avec elle. Pour avoir d'autres trucs, car là on a que ça, complimenter l'apparence et tout. Par contre, pourquoi il y a l'amour qui monte? Non mais il y a plus d'amour que d'amitié, c'est quoi ça? D'accord, ok. Mais pourquoi pas, si Elodie est attirée par Vanessa, on verra peut-être dans le futur. Hein. Parce que là, elles ont l'air de très bien s'entendre. Ok, du coup, vu qu'on est chez elle, on va en profiter pour se divertir un peu en regardant la télé. Oula, pardon Vanessa. Je ne voulais pas voir ça. Ok, du coup, on est revenu à la maison et on va, du coup, se laver les dents, se laver les mains, les dents, tout ça. Ah, du coup, j'ai pas regardé si ça va augmenter. Ah non, pas du tout. Ok, donc on va inviter Salim. Hein. Ah ouais, non, ça va pas du tout augmenter, quoi. La pauvre, quand même. Hein. Elle a amené ses vêtements qu'elle avait, elle a pas pu tout emmener en plus. C'est triste ce qui lui arrive. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Parler avec des amis. Ah oui, quand même. Oh, pourquoi il est triste? Hop, on va te complimenter et tout, t'inquiète, tu vas plus être triste. Faut qu'on augmente notre... voilà, essayer de réconforter. Faut qu'on augmente notre compétence charisme, là. Pourquoi il est gêné, là? Je comprends pas. Nous, on essaie de te réconforter et t'es gêné. Je suis désolée, mais non, ça va pas le faire, là. Donc, est-ce que c'est bon? Charisme 75%. Ok, ok, on va y arriver. Faut qu'on y arrive, là. Ok, c'est bon, développer la compétence charisme, ça a été validé. Donc là, on va s'occuper d'elle. Donc on va le renvoyer à son domicile et après Elodie elle va aller faire pipi. Et oui d'ailleurs on doit s'occuper de tout ce qu'elle avait dans son inventaire. Alors on va ouvrir ça. Ça on va vendre les pièces là. Ça on va vendre. Ça on va extraire le fossile. Ah mince, j'aurais peut-être pas dû. Oula ouais non on va la laisser. Du coup, ah 25, purée. Et ça bah ouais on va retirer hein, écoutez. T'as pas faim. Donc, quand t'auras faim, au pire, t'iras manger. Faut qu'on prenne de l'argent, là. T'iras manger quand t'iras travailler. Souvent, il y a des plats, là-bas. Bess Sterling. Vous aimeriez avoir l'air aussi heureuse que moi? Eh bien, c'est possible. Vous suffit de m'enlever un simplus. N'attendez plus. Le bonheur ne vous coûtera presque rien. Alors, désolé, nous sommes dans le mal avec niveau argent. Donc, ça va être non. Mais notre arnaque par télémarketing était clic. Ok. Donc, c'était fake. Génial, on adore. Qu'est-ce qu'elle fait? Se détendre. Bah non. Te détends pas. Je pense que tu vas aller t'entraîner à jouer. Je pense que je vais l'entraîner à jouer. On se retrouvera demain quand elle ira travailler. Oh! Regardez, 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 regardez. Regardez. Il y a Vladislaus. Non, tu ne peux pas nous faire ça. Défense d'entrée. Ne pas autoriser les vampires. Non, ne fais pas ça, s'il te plaît. Oh mon dieu, c'est horrible, je l'aime pas quand il fait ça. Mais non, il y a son audition demain, tu peux pas faire ça, Vladislaus. Ah, il est moche, je l'ai jamais vu comme ça. C'est la première fois que je le vois transformer, mon dieu. Ok, c'est bon, j'ai réussi à le faire partir. Ouf, mais voilà. Oh bah tiens, elle vient de se réveiller. Du coup, tu vas aller te laver les mains, les dents, les mains, les dents. Est-ce que ça a poussé? Non, ça a pas encore poussé. Oh, bah ça, on peut creuser, donc on va creuser. Ok, du coup, Elodie s'est changée et elle a fini de tout ramasser. Donc la capsule, on va l'ouvrir hein, quand même. J'ai envie de l'ouvrir. Bah voilà, fallait pas l'ouvrir, je savais. Celui-là, fallait pas l'extraire, lui, c'est bon. Et ça, ok, c'est good. Ça aussi, on va vendre. Donc ce que je me suis dit,
c'est que j'allais lui acheter une guitare. Comme ça, on irait au bar et on irait faire de la guitare, quoi. Ou du violon, c'est moins cher. Ouais, allez, on va prendre un violon. Violon, je l'ai pas beaucoup utilisé dans le jeu, donc ça tombe bien. Et après, j'achèterai un chevalet. Oh mon dieu! Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là, hein, pour vos oreilles à vous et pour mes oreilles à moi également. Avec qui la compétence du violon? Ah, il y a une compétence du violon, ok. Je pensais que violon, c'était avec guitare et tout. Il y a eu les citrons. Arrête ce massacre et va chercher des citrons. Du coup, on revient aux orchidées. Elodie a voulu retourner aux orchidées pour pouvoir nous faire un peu de violon. Du coup, c'est parti. En plus, on gagne de la notoriété. Waouh! On va faire fuir tous les clients, là. Allez, donne-nous un pourboire, s'il te plaît, Naoki Ito. Oh, yes! Deux Simflows! Le chemin de la gloire. Les Sims peuvent maintenant devenir des célébrités. Il y a plusieurs façons de devenir célèbre et à mesure que votre Sim développe ses compétences et ses carrières, de nouveaux moyens de devenir célèbre deviennent disponibles. Vous pourrez par exemple poursuivre une carrière d'acteur ou améliorer votre compétence production de médias à travers la station de production vidéo ou la station de production musicale. Cherchez les interactions suivies de la mention notoriété. Elles vous aideront à devenir une superstar. Ok, du coup là... Voilà, donc notoriété. Allez, donnez-nous de l'argent. Alors, j'essaye le chant, mais c'est pas trop ça non plus. Octavia, vas-tu nous donner? Yes. Oh, il y a Judith Ward. Oh, elle nous donne de l'argent. Seulement 2 Simflouz. T'es sérieuse? Vas-y, on va tenter de se présenter. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh oui. Là, on gagne de l'amitié, là, non? Oh yes, elle nous fait un autographe. Et c'est l'heure d'aller au travail. Let's go! Ok, du coup, on arrive sur le lieu de travail. Ils sont déjà tous en tenue. Nous, c'est vrai qu'on va devoir aller se faire maquiller et tout. Du coup, on a eu les citrons, donc on a plus trop faim. Donc, se faire coiffer et maquiller. Donc, voilà, si je me souvenais bien, c'était bien ici. Et donc, notre plateau, il est en mode pirate. Donc, on va être un pirate. Alors Elodie, c'est parti, c'est à toi de jouer. Montre de quoi tu es capable. Ah, elle se fait pouponner, hein, notre petite Elodie, là. Alors, voyons voir. Waouh, c'est make-upé, là. Là, il y a du make-up, il y en a bien, même. Hein. Avoir une couleur ou pas. Oh, oula, on n'a pas demandé que tu nous coupes les cheveux, hein. Oh, on est blonde. Ah, ça lui va pas trop, je trouve. Hein. On va mettre le costume. Ah ouais, non, c'est pas du tout le thème, là, là, non, pas du tout. Sérieux. Oh, Elodie, c'est pas n'importe qui, c'est une future star. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ok, du coup, ce qu'il faut faire, c'est s'entraîner à jouer. Donc, on va s'entraîner à jouer. On termine à 20h. Ok, du coup, ça, c'est bon. Et on va aller se présenter à Ayamashita. Enchantée. Moi, c'est Elodie. Elodie Durand, manger. Ah bah là on dit pas non, là, hein. Manger. En plus de ça, on a faim, donc on dit pas non. Ok, donc on mange et c'est bon. Ok, du coup, ça y est, on a tout fait, on a rencontré quelqu'un de notre boulot, et on va se présenter amicalement à notre producteur, réalisateur, pardon. Et on va dire au réalisateur que le tournage peut commencer. Alors, montrer le produit risqué. Silence sur le plateau, ça tourne. Allez, on fait risquer, on montre de quoi on est capable. Oh, elle s'en sort bien, hein. Tourner le gouvernail risqué. Normalement, on a eu toutes les compétences bonnes pour le contrat, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Allez, conduis-nous le bateau. Bientôt sur Sims TV. Et essuyer risqué. Wow. Ah, on a fini. Ah, ok. Bon, en vrai, ça allait vite, hein, avec 3 trucs. Bon, bah, merci beaucoup, hein, c'était très sympathique. J'ai apprécié ce premier tournage. Mais bon, il se fait quand même tard et j'aimerais profiter de la fin de la journée puisqu'il fait beau. Donc on va rentrer.
Ok, elle a été promue au poste figurante. Elodie a été promue figurante. De nouvelles auditions sont donc disponibles. Eh bien, nous verrons ces auditions plus tard et nous verrons la mort d'un de nos collègues plus tard, car c'est ici qu'on va s'arrêter. Je pense que la vidéo a déjà été assez longue avec le machinima, l'explication du challenge et tout. Donc, dans le prochain épisode, on va tuer un collègue à nous et je pense que nous tuerons Yamashita. Voilà, nous tuerons cette personne. Ou alors on tue le producteur. Bonne idée. Je me dis, pourquoi pas tuer le producteur? Car, comme ça, on tue tous les producteurs. Et à la fin, ça sera nous. Et on sera riche. Et on sera connu pour ça. Et on passera dans nos propres films et tout. Allez, on fera ça. Du coup, j'espère que ce challenge et cette vidéo vous plaît. Et vous aura plu. Donc n'hésitez pas à commenter, partager, mettre un maximum de likes et à vous abonner car ça fait plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, c'était TheGamer.